Au sniper? Idan? Vraiment? Tu sais faire ça? Il a qu'un seul objectif, Idan. C'est le top 1. A votre avis, il va finir combien tième, Idan? Essayez de deviner sur le chat. Ça vous dit qu'on suit l'histoire d'un Bambi? Genre lui? Genre je le laisse me tuer et on le suit? Vas-y. No joke, je fais exprès, hein. J'aurais pu mille fois le tuer. Hein. Et on est parti pour suivre monsieur Hidanset. C'est totalement improvisé. Hein. Je voulais lancer une game, mais vu qu'on parlait d'autre chose, j'ai pas vu mon spawn. Et là, plutôt que faire une game où je veux faire une 2 kills et faire top 10, tu vois, allons voir ce gars. Le mec a eu un spawn dégueu. Il doit être chelou. Je veux un maximum de soutien pour Hidanset. Parce que vous le savez pas, mais lui, c'est un. Oula, il a failli tomber. C'est futur talent. Hein. Donc déjà, il boit pas la gourde. Déjà, première analyse. On analyse. Vous êtes mes coca. Bah, tout à fait normal, il a rencontré son pote. Idan! Idan le chasseur! Regardez cette soif de tuer! Cette envie de sang! Let's go, Idan! 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 Oh là là! Oh là là, il se fait brain! Il se fait brain! Devant plus de 2000 personnes! Idan! Histoire d'un Bambi! Il l'a perdu! Oh! Oh! Il est trop mignon! Ils sont trop mignons, les Bambis! Let's go, Idan! T'es un monstre. Déjà 2 kills, hein. C'est beaucoup pour un Bambi. C'est même plus si on peut le catégoriser comme étant un Bambi. Qu'est-ce que tu fais? Bois la gourde et garde les 3 mini. Ah non, il va peut-être prendre des champis. Il veut se garder la gourde. Il prend pas les champis. C'est chelou, Idan. C'est pas grave, Idan. C'est pas grave. T'es un monstre, Idan. Ça me rappelle, c'est la game où je m'étais fait tuer top 10, quoi, ou top 15. Et genre, je m'étais fait tuer par un Bambi, mais genre. Non, je crois pas que c'était lui qui m'avait tué. Je crois que la caméra était partie sur lui. On avait suivi son histoire. Mais c'est vrai que avant, on faisait souvent ça. Maintenant, c'était un peu démodé. Puis les vrais Bambis n'existent plus. Enfin, entre guillemets, quoi. C'est devenu de plus en plus rare. Mais là, du coup, je me suis dit, ah, peut-être on a une perle. Peut-être on a une perle. Ah, à Lonely Lodge, fin de bus, skin de base. Je me suis dit, on a quelque chose là. Oh là là, il s'éclate avec son quad. Ça a aucun sens ce qu'il fait. C'est pas grave, Idan. On ne juge pas. On est juste là pour t'encourager. On n'est pas là pour se moquer d'Idan, nous. C'est l'inverse de ce que font les gens quand ils font ce genre de concept. Nous, c'est l'inverse. On est là pour l'encourager et pour lui permettre de faire top 1. Il y a un duel. Il y a un duel pour Idan. Idan qui est foutu, Idan. Comment tu réagis à ça, Idan? Mais non, pire call, Idan. C'était la pire idée, mec, que tu pouvais avoir. Oh, la fuite rapide, hein. Ah, Idan, il se fait... Oh là là, c'est tellement dur pour lui, Fortnite, maintenant. Il y a des mecs dans des avions. Oh là là, fuis, Idan, fuis. T'es un pilote, mec. Idan. Mais mets ta gourde, rentre dans le camion. Par contre, je préviens, hein, s'il met son kit, je deviens fou. Hein. Allô, t'as 49 HP, t'as une gourde. La maison, ça t'aime bien, toi. Garde ton véhicule. Mais il sait ce que ça fait, la gourde, ou pas? Parce que j'ai pas l'impression. Oh là là, accident d'Idan. Et il change de véhicule. Changement d'immatriculation. Soigne-toi, Idan. Soigne-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi t'es fou? Pourquoi t'es fou? Ouais. Oh, déjà, quand même, le... Eh, en vrai, c'est bizarre parce que les mécaniques sont pas dégueux, tu vois ce que je veux dire? Les mécaniques sont... Genre, ça va, l'escalier, pour un Bambi, il l'a fait quand même très vite, l'escalier, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous dis que ça existe plus réellement, les vrais Bambi de... C'est bien, Idan. Ok, c'est pas fini. Il a failli tomber, c'est pas fini. Il est top 33, déjà. Donc on se moque. C'est une 2 kills top 33. Je pense que déjà, il fait mieux que 90% du chat. Hein. Ah non, mais soyons clairs. Mais en vrai, il est pas si mauvais que ça. Genre, c'est pas le Bambi... Ah d'accord. Donc lui, il y a un avion, il se met de... Enfin, il essaye de contrer l'avion avec son corps. Normal. Il a la faux, obligé, il joue depuis longtemps, ça veut dire. Ouais, non, mais c'est pour ça qu'il est chelou, ce Bambi. J'ai l'impression que c'est un escroc. C'est un Bambi escroc. Je trouve que c'est un stream hacker Bambi escroc. C'est-à-dire que là, il sait qu'on est là, on est sur lui, mais il fait semblant, on sait pas, tu vois. Mais je sais pas, son action avec le quad me laisse penser qu'il est naturel, quoi. Je sais pas, tu vois, il y a des trucs quand même. Tu vois, il y a des trucs qui trompent pas, quoi. Il trompe. Là, ça trompe pas. Il a quand même. Il apprend vite, quand même. Hein. Il ne reste pas coincé face à un problème. Il trouve vite la solution, mais quand même. Regardez son stuff. Regardez. Enfin, je sais pas, ça. Oh là là. Idan. Il nous faut de l'action, là, Idan. Il y a 2000 viewers qui sont en train de t'observer. Top 17, 2 kills. Et là, il y a sa daronne qui lui parle. Eric! Il est 17h18, tu continues encore de jouer? T'as fait tes devoirs pour lundi? Allez, c'est reparti. Il a qu'un seul objectif, Idan. C'est le top 1. Et il farm. Et ça c'est beau. Il a toujours pas... Il a un pompe. Allez, voilà. Il ramasse pas le pompe. Ah, il savait qu'il y avait un chasseur. Il replace ses armes. C'est lent. Quoi?
Il vient juste de lâcher sa M4. Normal. Plus d'M4, pas besoin. Il est bizarre ce Idan. Par contre, ils sont quoi, non? Allez, Idan, top 14. Let's go. Let's go. Essayez de deviner la position de Idan. À votre avis, il va finir combienième, Idan? Essayez de deviner sur le chat. Moi, je le mets top 6. Moi, je le mets top 6. Je sais pas pourquoi, je crois qu'il nous fait un beau top 6. Un petit top 6, 3 kills. Boum. Là, je suis fier. Non, en vrai, je pense pas qu'il fera un kill. Mais je pense qu'il peut gratter des tops. Alors là, tu fais quoi? Tu lâches ton pompe, c'est ça? Mais tu vois, il va toujours sens inverse des tirs. Genre, les tirs ne l'attirent pas. Les tirs lui donnent envie de... La spéciale, hein, il aime tout péter avec son quad. Il va toujours au sens opposé des tirs. Attention, attention, Idan. Là, tu les vois, ce fight. Idan, top 11. Il se dirige vers le danger. Il se dirige vers le combat. Idan, peut-être. Pour un combat direct sans M4, on le rappelle, je suis sûr qu'il va jamais swap d'armes. Je suis sûr qu'il va faire qu'un fight aux pompes chasseurs. Déjà, ils vont ramasser un bleu. Et déjà, ça, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais là, Idan? Qu'est-ce que tu fais là? Mais t'es fou! Mais prends pas cette arme, je suis sûr que tu sais pas tirer avec. Ah, Idan! 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 Sors le bazooka! Idan, le monstre! Le coup de bazooka et c'est le top 8 validé! Pour le joueur, je ne sais pas d'où il est d'origine, mais c'est très très bien! Ça, c'est une arme pour toi, mon bro! Va chercher ton bleuvage, va chercher tes potions! C'est ça, Idan! Le coup de bazooka! Et il a un stuff de ouf, là! Il te faut une arme à longue distance, mon pote, hein! Enfin, je suis désolé, mais ton stuff pue la mort, là! Allez, prends le... Là, ouais, ça! Allez, hop, tu bois! Top 8! Top 8, 3 kills. Et s'il fait top 6, 3 kills, je suis un 2-20, mec. C'est incroyable. Je sens que le mec, il a la flemme de ramasser un truc qu'il veut pas. Oh, il y avait des petites potes. T'aurais pu te mettre à 100. Bon, c'est pas grave. Au sniper? Idan? Vraiment? Tu sais faire ça? Top 7. Quoi? Idan? Le sniper monster. Top 6. Top 6, Idan. 3 kills. Quoi? Idan? Le French Sniper? Mais c'est pour ça, il y a des joueurs, c'est archi chelou. Ils ont l'air de puer la merde, mais il y a certaines choses qui font mais tellement mieux que les autres. Genre là, lui, tu lui donnes un snipe, c'est top 1, frère. Non mais c'est pas du hasard, hein, il a mis 2 balles du turfu. Top 5 pour Idan, non mais top 1. Let's go top 1, let's go top 1, Idan. Il a toujours pas d'armes à air, tout ça, c'est pas son truc, lui. Idan, fais gaffe, mon pote. Là, c'est ton top 1 qui est en jeu. Prends ton snipe, t'as un stremon. Prends bazook. Non! Pourquoi tu prends ce genre de duel? Prends bazook, Idan. Non! Ne tue pas notre chance. Oui! Oui, Idan! Attention quand même derrière toi. Ok. Oui, Idan, tire. C'est bien. Ouais, mais voilà, tu prends des dégâts, tu fais rien, gros. Là! Oh, la balle de bazook, là! Idan! Top 5 pour Idan avec 3 kills. Bon, il est mort face à un Stremon, quoi. Un Stremon. Enfin, en tout cas, il est mort face à un vrai joueur. 6 kills, il a un bon stuff, c'est cohérent. Voilà, on va finir quand même cette game, hein. Pour aller voir si au moins Idan dans notre cœur est top 2. Parce que je vous explique un truc. Si Idan meurt contre Yurbad et que Yurbad fait top 1, est-ce que Idan n'avait pas le niveau de faire top 2? On va voir ça. En tout cas, pour l'instant, voilà. Là, on a quelqu'un. Ça a du sens, c'est clean, c'est propre. Il va faire tout simplement le nécessaire pour aller valider. Il a éliminé l'adversaire le plus compliqué de la game. On le rappelle, Idan 7. Lui était difficile à battre. Le reste, c'est du gâteau. Et on va aller le chercher, ce top 1. Tranquillement pour Yurbad. C'est classique. Idan, quoi. Oh, sniper, il m'a impressionné. Genre là, on peut dire, Idan, il a un meilleur snipe que moi, hein, 100%. Hein. Tranquille. Alors que là, on a, c'est le cousin de Tixi ou quoi, lui, là? Il lui arrive. Yurbad, pour aller valider ce top 1. Avec, on rappelle, Idan. Oh, Idan top 2 dans notre cœur. Idan top 2 dans notre cœur, si Yurbad lui permet, en validant le top 1, d'y croire. Coup de bazook, non, même pas? Ok. Pour un joueur assez correct, je trouve que ta décision a été longue, hein. Ah bah ouais, tu mérites un peu. Pourquoi il a pris que 20 de PV? Trop chelou, cette balle. Je comprends qu'il a pris beaucoup de dégâts, mais pourquoi pas du shield? Pourquoi il a pris 20 PV et pas 20 de shield? Quand ça explose sur un mur, c'est des PV qui sont... Je comprends pas, ça passe à travers le shield? J'ai pas capté, là. Yurbad. Tu lag, mon gars. Qu'est-ce qui t'arrive? Idan, il est en train d'observer la game avec moi. Idan, il veut savoir s'il avait son top de mérité ou non. Pourquoi d'un coup, il est devenu nul, lui? Ah, c'est des dégâts de chute qu'il a pris. Putain, je me suis même pas rendu compte. Bah, pourtant, la chute avait l'air petite, hein. Voilà, là, on retrouve Yurbad. Voilà, là, on le retrouve. Qu'est-ce que tu fais? Waouh, les mécaniques. Aïe. Et le bullfight directement avec Yurbad. Yurbad qui va prendre la hauteur sur son adversaire. On le rappelle, Yurbad qui est pas forcément bien dans sa situation. Il a que 108
points de vie, hein, si on comptabilise ce qui lui reste avec son shield. Donc c'est léger, une balle de pompe bien placée, c'est terminé pour Yourbad. La roquette qui ne fera rien de spécifique. Et il a pas pris de dégâts. Ok, très bien. J'y ai cru, j'ai cru comprendre. Alors, à mon avis, ça doit être l'autre joueur qui a pris les dégâts. Et là, ils sont tous les trois dans la dernière zone. Hein. Tous les trois au même endroit pour en finir. Avec Yourbad qui est pris d'assaut via les roquettes d'un adversaire. Yourbad qui esquive ce qu'il faut. Il arrive au-dessus de son adversaire direct. C'est lui le plus compliqué. On a l'impression que lui, en tout cas, il est plus menaçant que l'autre. Sûrement parce que l'autre aussi s'est pris une grosse roquette dans la bouche. Et pourtant Yourbad qui insiste, Yourbad qui insiste sur lui. Lui il est facile Yourbad, c'est pas lui qui est compliqué. Mais pourtant Yourbad je sais pas ce qu'il a contre lui. Alors que lui est chiant. Mais oui mais tu mérites. Alors qu'on passe sur Mendenstukat avec ses 5 kills au bazooka. C'est la game du bazooka là, on l'a compris. Yourbad qui s'est fait allumer. Et lui qui a perdu son adversaire, il est à droite, ouais, il est juste là. Tu le sais, normalement c'est top 1 tranquille pour Mden. Ça c'était une belle tentative, un peu plus à droite, ouais. Bon, je pense qu'il est en tout ça, hein, mon bro. Ah non, pas du tout, pardon. T'as raison, il est là-bas. Prends ton temps, t'as ton bazook. En tout cas, Idan, pas du tout top, top 2. Pour le coup. Pas du tout top 2. Ah, oula, waouh, il a en plus pris une... Oh, ils ont le même skin en plus. Oh, le con. Oh là là, oh là là. Oh, au piège. C'est une victoire de 6 mou, 3 kills. Lui qui avait l'air en difficulté, il l'emporte. En tout cas, il nous a fait vivre de belles émotions, notre chéri Dan 7. Je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo un jour ou l'autre, mais sache que tu nous auras permis de vivre un agréable moment. Merci à toi. Merci à toi et grosse pensée et bon courage pour la suite de tes aventures.